Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bowser's Fury. Aujourd'hui, je sais pas ce que je fais. Je veux dire, j'essaye d'aller sur ce truc, mais ça marche pas très bien. J'avoue que maintenant, il monte beaucoup plus vite, non, Bowser? Oui, j'ai ce sens. Non, mais ah oui, non, mais oui, c'est vrai que. Ah, mais toi, tu ne connais pas le plus grand plaisir qu'est de mais ce... non, mais oui. Mais en vrai, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire ça? Déjà, il faut réussir à partir. Hein. Mais tu vas tellement nulle part en fait. Plessis, à l'aide! Je m'allonge! Mais il fallait me chercher avant, Mario aussi! Il est là! Mais pourquoi il est là? Bah, parce que je suis devant mon niveau bonus. Ah oui, bah il est déjà là. Bah oui, il est déjà là, le niveau bonus. Non, je voulais savoir l'intitulé. Décollage glacial, ah c'est un chrono. Oh, décollage, c'est-à-dire que je dois monter. Oh, mais d'abord, il faut trouver l'interrupteur, un chronomètre. J'avoue qu'il y a plein de trucs en bas là. Enfin, il y a plein de trucs, je veux dire, il y a une grande île en bas. Ah bah voilà, elle est là. Je devrais peut-être y aller avec un bloc pour voler. Je pense que. Ah, mais du coup, le tuyau a disparu. Ah oui? Je crois. Attends, mais. Ah oui. Mais attends. Mais tu peux pas y aller directement avec le chat là du coup? En volant et puis. Si. Après, si on prend le mauvais chemin, comme moi, c'est dommage. Allez, monte mon petit Mario. Fais le décollage glacial. C'est très glacial d'ailleurs comme des. Comme déco. Bon. Oh, il a poussé le Bowser. Mario, tu fais quoi? Très glacial comme décollage. J'espère que t'as apprécié. Ah, j'ai bien décollé. Tu t'es senti gelé là, j'imagine. Je le vois à tes moustaches gelées, enflammées, brûlées. Bon, j'imagine qu'on va devoir partir et revenir. L'ombre de fureur sur la. Ah, mais oui, lui. J'avais oublié. Allez, vas-y, Bowser Junior. T'inquiète, je vais bien shooter dedans là. Oh, je vais bien shooter dedans là à nouveau. Ah, mais c'est Bowser Jr. qui prend sa revanche là. Exactement. Attends, par contre, il est passé. Bon, j'imagine qu'il est parti de l'autre côté. Donc, du coup, là, t'es parti. Ah, oui, il est là-bas. J'arrive, espèce de bouffée de Luigi là. Luigi, je savais que Luigi, on pouvait pas lui faire confiance, Mario. J'arrête pas de te le dire. Ton frère, il est louche. Tu sais que là, on va devoir repartir et revenir. Bah non, parce que c'est le bloc de fureur. Du coup, ils sont déjà là. Oui, mais ils vont peut-être nous dire que où est-ce qu'il est, tu vois. Cela m'étonnerait bien fortement. Mais si, un indice. L'indice, c'est bloc de fureur, tu vas voir. Ça va s'appeler bloc de fureur du donjon ronron. J'avoue. En plus, il est bientôt prêt, là, t'as vu? Bon, après, il est sûrement en il bas. Il est là, il est là! Pouah là là! J'allais dire, il est sûrement en bas, puisque de toute façon, en général, ils sont tout le temps en bas. Bon, bah... Papounet, réveille-toi! On a des motions de bloc fureur à faire. Et voilà! Plessis reste bien caché, parce que c'est dangereux. Oh, mais il est juste là, en plus. Je vais l'aider à éternuer. Papounet, du poivre dans mon pinceau magique. Et voilà, bien joué. Je crois qu'on a tout fait. En fait, c'est même pas les blocs fureurs du donjon ronron, ça s'appelle juste démolition de blocs fureurs à chaque fois en fait. C'est bon. Je vais même pas perdre autant de points de vie que ça. Vous savez quoi, vous allez devoir me réinvoquer. Pas de problème, Bowser. Et vous voulez vraiment qu'on aille là-haut pour aller prendre ce truc? Allons jusqu'à la cloche. J'espère que elle est loin, la cloche. Où est-ce qu'elle est? Bah, c'est une grande zone, ici. Du coup, pour que ce jeu soit plus agréable, il faut un amiibo Bowser. J'espère qu'il est vendu avec un amiibo Bowser. J'avoue que c'est quand même bien pratique, l'amiibo Bowser, en fait. Ouh. Allez, Bowser, à nous deux. C'est le chant du soleil, mais... Vas-y, Bowser. Je sais pas si je peux le frapper, là. Non, je pense pas. Je pense que le seul moment où tu peux le frapper, c'est le moment où il fait son truc, là, par terre. Après, peut-être que s'il te roule dessus, peut-être que son ventre, tu peux le toucher. Oh, mais en fait, super pas loin, ton rayon laser. On dirait que je le touche.
Oh là, mauvais timing. Ah là, bah là, justement, il va faire sa bêtise là. Non, je pouvais pas faire ça. Ah bah il est mort. Ah oh, c'est dommage, je suis devenu Mario normal. C'est dommage, je suis devenu Mario normal. C'est pas grave si tu es Mario normal. C'est vrai. Ouais. Tant mieux. C'est le Mario qui mange des spaghettis. Et voilà, tu as battu Bowser, félicitations, je pense que c'est la fin du jeu. Mais non. Parce que comme on dit, à chaque fois, le chiffre magique dans les jeux vidéo, c'est toujours 2, bien sûr. Ah, on a obtenu notre arc-en-ciel. On va aller à la 4 Rainbow Road après. La 4 Rainbow Road, ce serait le prochain niveau de Mario Kart 9. Bah oui, 9 vies, les chats, tout ça. Oh, regarde. Le bateau pirate sort enfin de l'eau avec des paracoccinelles à son bord. Elles étaient sous l'eau d'ailleurs. Attends, c'est un monde de lave. Waouh. Incroyable. C'est un monde de chocolat, pas un monde. Bowser Junior semble vouloir dire autre chose. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire, Bowser Junior, il dit Mario. Oh non, j'espérais vraiment qu'il redeviendrait normal cette fois. Mais bon, fallait s'y attendre, hein. Personne résiste mieux au coup de Mario que mon papounet, après tout. Allez, cherchons un moyen d'escalader cette cascade pour trouver un autre astrophélin. Et voilà, on et a voilà, débloqué on a toute tout la carte. Monde. Magnifique. Eh bien, je vais te redonner la manette Mario. La manette Mario. Je vais redevenir Bowser Junior. C'était amusant. Tant mieux. Ça y est, on va pouvoir refaire des dashs à l'infini parce que c'est drôle. Bah en vrai, il y a un truc que je voulais trop tester. Et voilà, mais on va tester ça dans des conditions réelles. Oh, mais attends, le chien, il devient rouge un petit peu. Oui. Le temps commence à passer, ma foi. On s'approche dangereusement de la nuit éternelle. Oh, magnifique. Oh, bon. Oui, notre première ride. Bon, on va aller là-bas. Ça me paraît pas mal. Regardez notre Bowser Junior national qui part pour s'entraîner aux Jeux Olympiques de 2022. Un jeu qui aura peut-être une chance d'être annulé parce qu'il y avait un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2022 qui est peut-être potentiellement en préparation, mais à cause de la situation actuelle, il y a des chances qu'il soit finalement annulé. Oh, c'est trop beau. C'est quoi ça? Non mais descends. Oh. Mais tu peux pas y aller toi là-bas, si? Bah je peux y aller peut-être, mais Plessis. Comme c'est un... Ah non, Plessis. Non, il faut aller à Plessis en fait. Ça ne sert à rien pour Bowser Junior. Je vois. Du coup voilà, c'est un peu triste, voilà, pour tous ceux qui travaillent sur ce jeu, éventuellement. Bon, rien n'est dit qu'il l'ait annulé pour l'instant. Le mystère reste entier, si je puis dire. On ne sait pas. Personne ne sait. Ah, peut-être que si, en interne, on dit bon, arrêtez de travailler quand même dessus, c'est ça. Est-ce qu'on peut aller? Non, on peut pas. Comment on descend, par contre? Avec ZL. D'accord. Oh, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Mais oui, il y a tout le monde. Venez tous. Venez tous. Venez tous. Venez tous. Ah, on est obligé de le jeter, le chat. Mais oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une balle. Ok, j'ai cru que quelqu'un avait kidnappé un de mes chatons, là. Un de mes chatons tout rond. Bon, d'ailleurs, il y a la maman de chat qui pleure, d'ailleurs. Elle va nous demander 5 chats. Oh, bah, il y a le truc, là, je vois. Ah, c'est ton moment de briller. Oh, il y a un truc pas haut. Oh, mais oh, le lag, truc là. De l'amiibo, ça lag, là. C'était pas ça qu'on avait eu comme effet? En fait, c'était un effet de bloc pas. Donc, Bowser Junior, c'est un bloc pas. Oh! Ah, il en reste un. Médecine. Il est là. Oh, je vais me prendre un marteau dans la figure. Ouf, ça va. Et voilà, bien joué, l'antre félin gagné. L'antre. Mais astre, pas antre. Oh, regarde-les, ils jouent ensemble à la balle et ça, c'est beau. Ah bah tiens, ça, c'est une maman... C'est une maman chat, ça. Pas besoin de nous demander de ramener des petits chats perdus.
On le sait déjà, maman chat. T'as vu, elle est contente. Ah, je savais qu'il y en aurait 5. Ah, mais c'est les... ah, mais c'est la maison des chats, en fait. C'est lent. Il a dit Marie. Hey, voilà. Tu m'as poussé. Ah, mais non, du coup, c'est pas un bloc. Tiens, mais regardez qui voilà, Bootleg Luigi. Ombre de fureur dans temps instable. Oh, tu l'as dégommé. Oh. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh non, oh non, oh non, oh non. Trop tard. Oh, je voulais voir si je pouvais pas me sauter. Mais il saute pas. Ah, d'accord. Ah, okay. Oh, bah, moi, on sait que le bloc est là. Oh, oh bah... Non, mais n'aie pas peur du gros vilain, oui, Tanuki. Enfin bon, quand même, vu ce qu'il lui fait, je comprends. Ouais, mais comment on monte? Il doit y avoir des blocs cachés. Suis-je censé le deviner? Oui. Non. C'est impossible. Bah, désolé, maman chat, je ne suis plus un chat, je suis un Tanuki. Ouais, mais on peut voler avec Tanuki. Eh, mais c'est bien pratique, ça. Pour maman chat, oui, j'avoue. Salut maman chat. Oh pardon maman chat. Faut pas pleurer, c'est pas grave, regardez, il y a bébé chat. Et attends, on peut le reprendre? On peut pas le reprendre bébé chat. Peut-être pas possible. Mais non, mais n'ayez pas peur du Tanuki. Bon, c'est pas grave, on va arrêter de... Attends, reviens en arrière un petit peu. Oh zut, j'ai été téléporté. Ici, il y a un dessin à faire. Ah d'accord, les dessins. C'est important. Ah, regarde, en plus c'est pour une super fleur bon, de bon, feu. Bon, bah ok. Désolé pour la fleur de feu. Elle est pas OP dans ce jeu. Tu sais pas. Attends, il y avait un tuyau pour remonter. Attends, il a pas récupéré tous ses points de vie quand même. Mais non, mais je suis encore tombé. Il a pas l'air d'avoir récupéré ses points de vie, t'inquiète. Ah, ok, tant mieux. Oui, c'est ça qui est sorti. Tiens, bon. Il est où là? Il est parti, il est parti. Mais pourquoi il est parti? Mais on l'avait pas touché deux fois? Si, on l'avait touché deux fois. Je l'attendais. C'est comme ça qu'on jouait pinceau. Ah, on prévoit les mouvements de ses adversaires, n'est-ce pas? Oui, et on tape en bon moment. Ah, mais oui, du coup, il y a des médailles. Waouh, waouh. Et voilà, c'est bon, maintenant il n'y a plus de problème. Ouf. Merci pour le tuyau. Mais c'est pas un tuyau, c'est un astre félin. Bon, en vrai, j'avais trop envie de tester un truc. Oui. Tu dis tout le temps ça. Mais oui, mais... Ah, mais attends, il y a un truc là-bas. Ah non, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Bah, elle est où là, l'étoile volante là, dans le ciel là? Faudrait que j'aille la chercher aussi. Vous savez où elle était dans la boue? Ah bah elle est là. Ah bah elle est plus dans la boue maintenant. Allez, y aller en Tanuki. Ah, tu veux voir si tu peux faire des... Ah oui, non, d'accord, ok. Je voulais voir si je pouvais décoller avec... genre si... Mais à mon avis, ça doit être jouable, hein. Ça doit être jouable. Ouais, tu dois le faire bien avant. Aussi. Tu veux changer de pouvoir en vol? Ouais, j'ai trop envie de tester ça. Ça ne sert à rien là en l'occurrence puisque. J'ai gagné. C'est facile pour toi, tu triches de toute façon. Eh mais c'est le truc. Oui, et c'est ce que j'ai pensé aussi. Festin de Fusicia. Bon bah très bien, j'allais dire je vais appeler Bowser, mais en fait il n'y a pas besoin visiblement, puisque on a déjà débloqué le. Oh non, tu attaques pas ma super plante là. Ah mais oui, tu dois manger des fusils. Bon. Miam miam miam. Un petit pouvoir quand même, ça serait gentil. Bon bah très bien, on va prendre ça. De toute façon, tu vois, je peux rien faire, moi. Oui, mais tu peux peut-être tuer ma plante, tu vois. Ça, par contre, ça serait inadmissible. Mais c'est une plante en plus qui... Une plante à chat. Une plante à chat. Oui, c'est une herbe à chat. Je vois. Allez, allez. Mmh, ah oui, c'était... Non. Bon, bah, reste la plante. On est reparti. Oh, il en reste juste quelques-uns. Oh non, oh non, oh non, ma plante, ma plante, ma plante, ma plante, ma plante. Ma plante a trépassé. Oh non, la pauvre. Tu as donné trop d'eau. Elle a du soif.
Il boude à jamais, là, d'ailleurs, Baroudeur. Oui, j'ai l'impression qu'on le revoit plus. Autant dans le monde de neige, il était tout le temps là, autant là, on le voit plus. Parce qu'on aurait bien besoin de toi, mon petit Bowser, là. Et je sais, c'est pour ça que je viens pas. Moi, j'ai pas envie de perdre des points de vie, je suis quand même pas bête. On me dit souvent, tu es pas très malin, Bowser, de t'attaquer comme ça à Mario en pleine journée. Et du coup, bah, j'ai décidé de lancer mon attaque la nuit. Mais la vraie nuit, vous savez, celle qui dure au moins 8 heures, voyez. T'as peut-être pas récupéré assez d'astrophélins pour réveiller le Bowser. Oh, un giga cloche. Quoi? Mais non! Mais moi je voulais juste la poser, comme ça je pouvais recourir comme... Comme une grande sage m'a dit un jour. Oh, très bien. Le parcours d'obstacles. Oh, elle est morte pour de bon. Eh oui. D'accord, très bien. Il nous faut le chat. Ok. Oui, bah oui, de toute façon. Oh, le chat. Ok. Je comprends mieux. Bon, bah maintenant, il manque plus que le bloc, mais Bowser ne veut pas. Je vais appeler Bowser, hein, c'est pas possible. Moi, je suis en colère, là. Vous m'avez mis en colère, monsieur Bowser. Ah, d'accord, ok. Vous m'avez vraiment mis beaucoup très en colère. Ah, mais ok, du coup, il fallait pas aller le chercher maintenant. Tout s'enchaîne. Oh. Bah après tu peux... Ah ça y est, bon, il arrive. Ok, très bien. Et bah il fallait attendre, hein, quand même. Ah bah en attendant, il y a un petit truc derrière que j'aimerais bien voir. Si tu voulais bien descendre de Plessis, non, tu veux pas, tant pis. Bon bah trop tard maintenant. Bon attends, je laisse cette magnifique animation et après on va aller voir le truc de Plessis. Bah non, on peut pas. Et puis il n'y a pas besoin de Plessis. On va aller voir le truc où il n'y a pas besoin de Plessis. Regardez-le, il est content. Hein. Avec son ombre violette, ses gros points. Sa belle crinière chevelue. Voilà, vous pouvez déjà utiliser le pouvoir des chatons. Mais du coup, c'est l'enfer des chats, là, maintenant. Oui. Bon. Il y avait quoi? Ici? Non, c'est pas là, mais c'est pas grave. On ira un autre jour. Alors, en fait... Bon, Bowser, j'ai besoin que tu craches ton feu. C'est juste derrière ce mur. Ce mur là. Oh, un truc pour le monde. Et là il y a une petite caverne. Oh méchant. Il y a une petite caverne. Mais on y avait déjà été, c'était là où il y avait le chat. Oui. Voilà, c'est tout. Bon, bah, il faut que j'aille sur l'île des chats maintenant. Avant d'aller chercher le soleil astrophélin. Oh non. C'est trop méchant d'avoir fait ça. Bon, on va utiliser un chat. Parce que, en plus, ça lag, là. Mais pourquoi ça lag? Ça lag. Allez, c'est parti pour l'enfer. Ça lag, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Bowser, bah, pars pas, Bouddha, s'il te plaît. J'ai besoin encore de toi. Il est où? Il est là. Ne pousse pas, Bowser Junior. Bon, je vais aller chercher l'astre là-bas, maintenant. Wouah! Il va pas dans le truc, alors que je lui ai ouvert. Bah oui, mais Bowser, on peut pas toujours se plier à tes caprices. Bah si! C'est qui le roi des Koopas? Voilà, tout le monde va mieux. La nuit, tous les chats sont enflammés. Attends, j'ai envie de voir un truc. Enflammés et ténébreux. Guide. Ah oui, tu vas pouvoir apprendre un truc que tu ne savais pas. Mais oui, exactement. Non, il n'y a pas. Comme bah, tiens, par action, curseur, ils vont me bouffer avec le curseur. Ah. C'est pour dire à Bowser Junior, va faire ça. Amiibo, et là, mode photo, et... D'accord. Il y avait des personnages genre Peach, j'ai pas réussi. Mais en fait, c'est Mario 3D World normal, en fait. Ah. C'est le même manuel pour les deux. Non, mais moi, en fait, je voulais voir ce qu'il y avait un truc qui expliquait pourquoi... Est-ce que les chats deviennent méchants la nuit? Ah, tu voulais un vrai guide? Oui, je me disais peut-être qu'ils vont se la jouer véritable manuel et ça va te dire « Ouais, alors les chats, ils deviennent méchants la nuit parce qu'ils ont mangé un peu de Bowser et donc du coup... »
Non, parce que la soupe à la tortue. Il faut aller sur le site officiel japonais qui explique. Parce que la soupe à la tortue, les chats, ça adore ça. Et donc, du coup, voilà. Bon, bah, en fait, bah, non, il n'y a pas d'explication. Ah, très bien. Tant pis. Bon, bah, on a fini une île. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est vrai. On va aller revoir nos chatons préférés. On a bien travaillé. Salut les chatons. Salut Harmonie. Peut-être un peu ma fille. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde.